François Sarano, plongeur, océanographe. Ce 2 mai 2015, nous sommes au large de l'île Maurice, en plein océan Indien. 2 kilomètres d'eau sous les palmes. Le bleu absolu. Même les rayons du soleil s'y noient. J'ai le vertige. Je ne vois rien. Un seul sens me relie au réel. Louis. Des profondeurs montent des claquements étranges. Les cachalots. Les cachalots qui chassent dans les abysses les calmars, là où aucun homme n'ira jamais. Je ne vois rien. Je cherche autour de moi. Ce son étrange, je le reconnais. C'est certainement celui d'un jeune qui est resté en surface. Lui m'a vu, il m'a perçu. En analysant les échos de ces clics qui ont rebondi sur moi. Un petit peu comme le montagnard face à la falaise. Hello, 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 hello. Ah. Je ne vois toujours rien. Et soudain, il arrive, face à moi, une tête énorme, informe. Un cachalot, ça ressemble à rien qu'on connaisse, c'est monstrueux, monstrueux de délicatesse. C'est un petit, mais pas si petit quand même. 8 mètres, 9 mètres, peut-être 7, 8 tonnes. Et il avance vite. On peut dire qu'il avance même très vite. J'essaye de m'écarter. Le choc est inévitable. Mais ne choque, il n'y a pas. Il y a juste une poussée. Incroyable. Ferme, puissante. Et tendre à la fois. Je suis complètement décontenancé. Je ne sais pas quoi faire. J'essaye de m'écarter, je ne veux pas le toucher, je ne veux pas le caresser, je ne veux surtout pas m'accrocher, par respect pour lui, par respect pour sa liberté sauvage. Je ne veux en aucun cas marquer un signe d'appropriation qui ruinerait ce moment magique où lui, l'animal sauvage, est venu me rencontrer. Donc je m'écarte. Mais il revient. La même poussée ferme, la même poussée, la même demande, le même appel. Alors, je cède. Je m'offre. Je m'offre à cette demande d'un animal libre, indompté, sauvage, qui vient interpeller l'autre. Miroir incroyable. Moi, le scientifique, j'étais venu l'étudier, tout d'un coup, c'est moi qui suis interpellé. Je voulais l'apprivoiser. Non, c'est lui qui m'apprivoise. Alors, je me laisse aller, nu. Il y a comme ça, seulement qu'on est authentique. Et on rentre dans une danse incroyable qui va durer 10 minutes. Je me mets sur le dos, il bascule sur le dos. Je cabriole, il cabriole à son tour. Dans une sorte d'harmonie, harmonie pour lui, maladroit pour moi, je le concède, mais peu importe. Pendant ces 10 minutes, je crois qu'on a été un peu frères. Je me suis senti parcelle de vivant, colocataire de cet océan sauvage avec lui, et ce bonheur formidable que lui, l'animal sauvage, m'a offert, m'a bouleversé pour toujours. C'est pour ça que je veux vous le raconter aujourd'hui, parce que la rencontre avec l'animal sauvage, la rencontre avec ces animaux incroyables, libres, elle vous donne envie de dire aux autres tout ça. Elle vous donne envie d'aimer le monde, d'aimer les autres. Et ce jour-là, vous aimez la terre entière. Voilà ce que vous offre Elliott le cachalot et toute la rencontre avec la vie sauvage.
Je m'appelle Rémi Marion. Je suis guide naturaliste, réalisateur, auteur. Et ma spécialité, eh bien, ce sont les ours, bruns et blancs. Mon dernier voyage, c'était au Kamchatka. Kamchatka, c'est la plus grosse concentration d'ours bruns au monde. Ils viennent se rassembler pour pêcher les saumons. Les saumons par millions. Mais avant de pêcher les saumons, qui parfois n'arrivent pas toujours à la date prévue. Ils n'ont pas de calendrier très très précis. Et ça dépend des pluies, ça dépend des courants, ça dépend de plein de choses. Eh bien, les ours, ils vont manger autre chose. Des baies, des racines. Des racines pas toujours très ragoûtantes pour nous, même si d'habitude, l'ours polaire, ou les ours bruns, on va dire, pour cette fois-là, eh bien, ils mangent des choses qu'on aimerait bien. Les myrtilles, tout le monde aime les myrtilles. Ils mangent aussi beaucoup d'herbes, des racines, des ombelles. Donc ils ont une diversité d'alimentation très très importante en attendant ces fameux saumons. Quand les saumons seront là, ils vont en manger 40 kilos par jour. C'est énorme. Mais il y en a largement assez pour eux. Et puis ils vont partager. Quand il y a beaucoup, les ours, ils partagent. Ils sont côte à côte. Les femelles, les mâles, les oursons. Tout le monde mange côte à côte et partage cette manne que la nature leur offre abondamment. Et puis les ours, quand ils sortent de leur tanière, eh bien, quand ils vont manger de l'herbe, ce n'est pas pour rien. On pourrait se dire, quand on voit les crottes d'ours, quand ils ont mangé de l'herbe, on se dit, bah, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'ils ramassent autant d'herbe qu'il en ressort. Dans leur crotte, il y a autant d'herbe quasiment que ce qu'ils ont mangé. Donc pourquoi mange-t-il de l'herbe? Eh bien pour retirer ce fameux bouchon, ce bouchon qui s'est formé pendant l'hiver, qui leur obstrue l'intestin, eh bien les herbes font office de laxatif. Et donc va falloir éliminer ce bouchon, ce fameux pé de l'ours, que l'on appelle dans les Pyrénées le pé d'Escaus, et donc qui va leur permettre après de reprendre cette alimentation très très riche et très variée. Et donc quand ces intestins vont être vidés après l'hivernage, eh bien, ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations et passer un hiver extrêmement riche. Je m'appelle Sabrina Krief. Je suis vétérinaire et primatologue au Muséum national d'histoire naturelle. Je me trouve à Sébitoli, dans le parc national de Kibale, en Ouganda. Nous sommes le 20 juin 2009. J'ajuste mes jumelles. À ma gauche, les bottes en caoutchouc de Jean-Michel et le métal noir du monopode qui porte les 6 kilos de son boîtier photo, équipé de son objectif 400 mm. À ma droite, accroupi, derrière un enchevêtrement de branches, Emma, lui aussi, rivé à ses jumelles. Soudain, les branches du grand ficus sur lequel nos regards sont fixés depuis près de 2 heures bougent. Un écran de feuilles s'écarte, imperceptiblement,
et laisse apparaître une main sur le tronc verdâtre et deux paires d'yeux nous fixent. Je retire mon souffle et je me concentre sur la zone sombre. Il me semble voir un visage étrange, dissymétrique. Bien sûr, ce n'est pas un petit détail pour un chimpanzé. Il lui manque une oreille. La seconde paire d'yeux cherche à satisfaire sa curiosité. Sans nous quitter du regard, le petit être balance son corps maigrelet et nous laisse apercevoir son visage, l'ensemble de son corps, ses mains, ses pieds et, entre ses jambes fines, un petit point rose. C'est un mâle. Après 20 secondes à peine, il disparaît dans la fourrure brune du grand corps. Le temps de lever les yeux vers Jean-Michel, qui a dû prendre une cinquantaine de photos en rafale, la merveilleuse apparition s'en est allée. Merveilleuse, oui, c'est le mot qui me vient immédiatement en y pensant. Pour la première fois, après 2 ans à Sébitoli, un chimpanzé n'a pas été paniqué en nous voyant. En plus, ce n'est pas un mâle costaud. Il s'agit d'une femelle, une mère, et preuve de sa confiance, elle a laissé à découvert son petit, si fragile. Je me redresse, mes pieds fourmillent, mais peu importe, les sourires éclatants sur les visages de Jean-Michel et d'Emma me confirment que pour eux aussi, cet instant est une formidable récompense. Nous décidons de baptiser cette femelle à qui il manque l'oreille gauche Koutou, mot qui signifie oreille en Routoro, la langue locale. Son visage émacié, noir, avec peu de poils, traduit son âge avancé. Elle doit avoir 45 ans. Nous décidons d'appeler son fils Kimchi, comme ce chou coréen, fermenté, pimenté et acidulé, étonnant, comme ce petit être adorable.
un souffle d'argent dans le soleil levant, un autre au ras de l'eau, puis un autre encore face à nous, bien orienté, à 45 degrés vers l'avant gauche de la tête noire. Une détonation embrumée sur l'arrière du bateau, aucun doute. Ce sont nos amis cachalots qui émergent les uns après les autres. Les respirations s'apaisent. Les animaux géants flottent, inertes comme des troncs d'arbres contre lesquels viennent s'éteindre les vagues. Les dos humides luisent au soleil. Ils sont une douzaine à nager parallèlement à quelques mètres les uns des autres. Pas un clic dans l'eau, pas un bruit sur notre bateau. Nous observons à distance pour ne pas perturber ce moment de paix totale. Comment décrire le monstre qui nous fait face? Il a 10 têtes comme l'hydre de Lerne, 10 corps qui s'enroulent comme les bras du kraken, 10 nageoires qui font naître des maelstroms écumants. Mais les mouvements du monstre sont lents et délicats. Les ventres s'effleurent, les flancs se frottent avec douceur. Une bouche démesurément ouverte mordit tendrement une nageoire. Alors ça, ce sont des clics, François ? Des clics. François. Jean-François, ce sont les clics de Jean-François. Est-ce que... Formidable. Mais ce ne sont pas les clics du clan d'Irène Gueule Tordue. Parce que nous plongeons avec nos amis du clan de la matriarche Irène Gueule Tordue. 17 femelles adultes et 11 jeunes aujourd'hui. Et ces clics-ci, ça serait plutôt des cachalots des Açores. Ceux d'Irène Gueule Tordue, c'est une série de 8 clics avec une attaque très rapide. Et puis après, eh bien, c'est caractéristique de ce clan-là. Vous pouvez aller ailleurs, vous entendrez la coda régulière. 5 clics réguliers. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, c'est la méditerranéenne. Chaque clan de cachalots a ses idiomes propres. Ce ne sont pas des mots, ni des phrases. Hein, c'est un peu comme la musique, c'est très structuré, ça donne beaucoup d'émotions, ça donne parfois de l'information, mais ça ne se traduit ni en mots ni en phrases. Donc il ne faut pas chercher dans le langage des cachalots une correspondance, il n'y aura malheureusement pas. Alors ce que fait Jean-François, ça, c'est l'interprétation musicale qui est correcte. Mais tout est interprétation, parce que même ce que moi j'imite, c'est pour vous faire ressentir ce que nous-mêmes nous ressentons, parce que les clics, on les ressent jusque dans la cage thoracique. Hein, quand les cachalots vous interpellent, c'est très très fort, c'est très fort. Et on pense même que ces clics, à partir du moment où ils sont là, c'est plus de l'écholocalisation, ce sont des caresses. Les cachalots se caressent en chantant. Staccato de clics très puissant, naît des corps enlacés. Elliot et Tache Blanche, nos 2 adolescents mâles, les plus turbulents, émergent du groupe, face à face, melon contre melon. Le rassemblement a duré 20 minutes. Ces formidables câlins quotidiens semblent aussi nécessaires aux cachalots que de manger et de respirer. Que peuvent-ils exprimer de si important qui ne puisse être communiqué autrement que par des caresses? Quel est le sens profond de ces ébats? Sceller délicatement leur parenté? Éprouver leur solidarité et entretenir leurs relations sociales? Ou simplement partager un moment de plaisir? Mais dis-moi François, ce que tu nous décris, ce sont des cultures chez les animaux, des cultures de cétacés. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que ceux autour du langage de la communication? Alors, indéniablement, les sociétés de cétacés à dents, les odontocètes, mieux que les baleines, ont tous, chaque clan, une culture propre. C'est-à-dire quelque chose qui est appris et transmis
de parent en enfant. Et ça, ça se voit à la fois chez les cachalots, hein, le c'est transmis au sein du clan. Et quand un cachalot vient de l'extérieur, s'il est adopté, il adoptera ce système de communication. Et chez les cachalots, on vient de découvrir qu'il y a aussi des chasses concertées dans les profondeurs qui visiblement nécessitent un apprentissage très long pour se coordonner dans la nuit des abysses. Mais d'autres cétacés, qui sont plus faciles à étudier, montrent non seulement une culture à travers leur langage, mais à travers l'utilisation d'outils. À Shark Bay en Australie, il y a un grand groupe de dauphins tursiops, ceux qui ressemblent à ceux qu'on voyait Flipper le dauphin, le gros dauphin. Et il y avait un grand groupe. Et, parmi ces dauphins, certains d'entre eux qui aiment beaucoup jouer s'amusaient avec des éponges. En Australie, il y a des petites éponges qui ressemblent à des urnes, une sorte de cône comme ça. Et ils jouent beaucoup, les dauphins. Et c'est là la source d'innovation. Donc l'un d'eux, probablement une femelle, s'était mis le cône sur le nez. Et ils échangent, ils jouent comme ça. Et ah, elle est au-dessus d'un fond de corail, des débris coralliens dans lequel ils ne vont pas chercher les poissons habituellement parce qu'ils se blessent le nez. Et là, toujours avec son cône d'éponge sur le nez, pof, elle plonge dans le débris corallien. Et là, elle fait sortir un petit poisson qu'elle ne peut pas découvrir autrement parce qu'il n'a pas de vessie natatoire, donc l'écolocalisation, ça ne sert à rien. Ouh, super! Elle recommence. 30 ans plus tard, cette innovation, tout à fait par hasard, est devenue un outil. Non seulement cette femelle conserve son éponge, hein, elle n'en cueille pas à chaque fois une autre, elle conserve la bonne éponge, mais elle a appris à ses jeunes et aux autres femelles qui ont bien voulu la suivre, à aller cueillir la bonne éponge et à l'utiliser comme protecteur pour aller fouiller dans le fond de corail très blessant et manger des petits poissons que sinon elle n'aurait pas eu. Et là où c'est extraordinaire, c'est que cette culture vient d'isoler ce petit groupe de dauphins du reste des autres dauphins qui n'ont pas voulu utiliser cette innovation. Et voilà, quand il y a maintenant deux groupes, la culture est à l'origine d'une spéciation. Je dis bien spéciation parce qu'ils ne se reproduisent plus entre eux. Et ce qui est arrivé en 2017 est encore plus intéressant. 2017, grand réchauffement. Shark Bay, les eaux de surface sont tellement chaudes que toute la prairie marine et les petits poissons qui sont à faible profondeur sont touchés. Et les dauphins qui n'ont pas d'éponge et qui ne peuvent pas aller fouiller dans les débris coralliens au risque de se couper voient leurs petits mourir, ils ne peuvent plus les allaiter et la population ne peut pas se reproduire cette année-là. Alors que l'autre population, celle qui a une nouvelle culture qui a été transmise au cours de 40 ans, eh bien, elle se nourrit beaucoup mieux parce qu'elle va chercher dans l'eau fraîche en profondeur les poissons qui n'ont pas été touchés. La culture maîtresse de l'évolution, et au départ, c'est le jeu. Et pour le jeu, il faut du temps, de la protection et surtout une grande curiosité. C'est ce que les cétacés nous montrent. Bien, et ben maintenant, nous allons voir plutôt les... Et à la suite, on va aller dans les grottes. Et on va voir les images de Rémi. Oui, bien sûr.
dispersé sur le toit du monde. Il déambule, tel un danseur plein d'une arrogante désinvolture. Quand on distingue à la jumelle une tache blanche, assez massive, qui se déplace sur l'horizon, ce qui surprend d'abord, c'est sa rapidité de déplacement. Guidée par son odorat vers une promesse de nourriture, ou tout simplement en train de transiter entre deux zones de chasse. L'ours polaire marche toujours à la même allure, 4 km à l'heure, sans se soucier du relief. Il avance inexorablement, rythmé par un métronome qui lui assure une vitesse pour parcourir de vastes distances. Jamais il ne s'échauffe s'il n'est pas contraint par un humain, voire un congénère trop pressant. À mesure que sa silhouette grandit dans les lentilles, c'est son cou portant une petite tête qui surprend, un cou qui n'en finit pas, souple, se balançant sans cesse de droite et de gauche. À quelques centaines de mètres, on se dit qu'il est tout de même haut sur ses pattes. L'arrière-train démesuré fait penser à un contrepoids. L'ours n'a qu'à se relever légèrement pour se mettre debout, campé, comme enraciné dans la toundra. Quand un ours polaire sort de l'eau pour monter sur la banquise, il devrait glisser, partir en aquaplaning, mais il n'en est rien. Ses coussinets plantaires sont rugueux et les poils, principalement chez les grands mâles, renforcent l'adhérence, mais surtout sont posés de pattes et sort le fluide grâce à un mouvement de rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Au microscope, on constate que les poils du dessus de ses pattes possèdent de fines cannelures, comme des gouttières, qui facilitent l'expulsion de l'eau après avoir marché 3 pas. Ses pattes sont sèches pour une attirance maximum. Oui. Et alors, attends, stop, là, moi, je veux savoir la suite. En fait, il glisse... Moi, quand je suis sur la glace, je me casse la figure. Et c'est à cause de ses pattes. Comment est-ce qu'il fait Oui, c'est ça, l'ours polaire est évidemment bien, bien adapté au milieu arctique, hein, donc à la banquise, qui est son territoire de chasse. Donc, faut pas déraper, hein, faut pas partir en aquaplaning. Et la démarche de l'ours polaire et aussi donc le dessous de ses pattes a été étudiée ici au Muséum d'histoire naturelle, au laboratoire de locomotion, et entre autres pour une demande assez particulière, ce sont les pneus Michelin, hein, donc qui ont demandé à étudier un ours qui à l'époque faisait 900 kg aux eaux de Vincennes, et donc le poids d'une petite voiture, et pour voir comment l'eau, le liquide, pouvait s'évacuer dessous les pattes des ours polaires. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait des micro-cannelures comme ça qui faisaient qu'il essorait sa patte, et tout ce liquide se dispersait autour de la patte, et au bout de 2 pas, eh bien, la patte était sèche. Et donc ils ont monté ça sur des pneus, ils ont fait des dessins, hein, donc qui ressemblait au-dessous des pattes d'ours polaires. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire comment les ours peuvent nous apprendre des tas de choses. Les ours polaires, évidemment, avec le dessous des pattes, mais pas que. Hein, on sait, par exemple, on a présenté d'ailleurs ici un film qui s'appelait « Fort comme un ours », où on comprend comment l'ours brun, qui va passer 6 mois dans une tanière, sans manger, sans déféquer, eh bien, va pouvoir passer comme ça, tranquillement, je dirais, ces 6 mois d'inactivité. Alors que si nous passons plusieurs semaines dans un lit alité à cause de la pandémie, par exemple, eh bien, on va perdre de la masse musculaire, de la masse osseuse. Alors qu'un ours brun, quand il va sortir, eh bien, il aura perdu très peu de masse osseuse, très peu de masse musculaire. Son cœur aura fonctionné pendant 6 mois avec une insuffisance cardiaque qui nécessiterait des opérations chez les humains. Et puis aussi des reins qui seraient évidemment très, très handicapés, très abîmés. Alors que l'ours, quand il ressort de sa tanière, eh bien, son cœur reprend un rythme normal, il n'a aucun problème de lésion, et ses reins, qui sont excessivement difficiles à soigner chez les humains, eh bien, repartent comme si de rien n'était. Et donc, ces adaptations métaboliques vraiment extrêmement importantes chez l'ours, eh bien, on les étudie
pour soigner les humains et aussi pour envoyer les hommes vers Mars. Parce que si on les met dans une capsule pendant 6 mois sans bouger, même si Pesquet il fait de l'exercice tous les jours, eh bien pendant 6 mois, ça ne suffira pas. Et donc, c'est peut-être, on infiltrera peut-être un sérum d'ours ou qui sera une copie de celui des ours pour envoyer les hommes sur Mars. Et c'est ce que tous les animaux peuvent nous apprendre aussi. Au-delà même de cette sauvagerie extraordinaire, eh bien, ils peuvent aussi nous aider à nous soigner peut-être et peut-être à survivre dans des conditions très, très compliquées. Alors, j'ai remarqué que personne n'est venu me chercher quand... On m'a enlevé. Non, mais merci. Oui. Mais non, il donne très bien les explications. C'est normal, Jade, c'est normal. C'est normal, mais je crois que c'est une... C'est une légende quand même. C'est une grande légende de l'humanité, d'ailleurs, oui. Qui s'est dispersée sur des millénaires et qui a été écrite vers l'an 1100. Eh bien, c'est la légende du roi Arthur et la légende de Jean de l'Ours. Où là, Vous connaissez la légende de Jean de l'Ours ? Très, très important dans la culture. Et le roi Arthur, évidemment, tout le monde la connaît. Eh bien, le roi Arthur, ça vient de... Arthos, de Arts en celte qui veut dire l'ours. Et donc c'est très très important ces légendes parce qu'on sait maintenant qu'elles nous viennent peut-être du paléolithique, peut-être même avant, et parce que les hommes vivaient au contact des ours, hein, c'était des frères, presque des parents, ouais. Et donc évidemment on pouvait supposer qu'ils pouvaient s'hybrider, se métisser, et donc c'est resté dans les histoires et on les raconte toujours aux enfants. Il est certain qu'on raconte des histoires aux enfants qui sont nés dans les grottes il y a quelques dizaines de milliers d'années. Oui, et Michel Bassompierre, on va aller voir maintenant son travail. Dans les petites sculptures qui sont derrière, il y a d'ailleurs un ours avec une femme, c'est ça. Vous les verrez tout à l'heure. Oui. Et là, on va regarder où il en est du travail. Je ne sais pas si je peux le déranger. Donc, on va voir. A priori, pas tellement. Ah oui, parce que maintenant, il grogne aussi. Alors... Alors moi je trouve que c'est déjà très avancé. D'ailleurs vous pouvez le voir là-bas. C'est magnifique. Hein ouais, c'est magnifique. On va te laisser continuer. C'est Vitoli.
18 janvier 2017, 8h20. Elliot a parcouru au moins 15 mètres debout, sans rien traîner derrière lui, comme le font d'habitude les mâles qui veulent impressionner. Il marchait vite, tout hérissé, et les autres chimpanzés semblaient inquiets. Il est maintenant dissimulé dans la végétation à une quinzaine de mètres. Je m'approche. Et là, en l'espace de quelques secondes, je comprends. Ma gorge et ma poitrine se serrent. Il regarde sa main, puis me jette un regard rapide. Ses doigts, sauf le pouce, sont gonflés, encerclés par un câble métallique. Le câble est très serré. Le majeur n'est pas visible, caché derrière les autres doigts. Jamais il ne pourra l'enlever seul. La chair des doigts est entamée. Je peux voir la plaie. Il garde sa main plus haut que son coude, plaqué contre sa poitrine. La douleur de l'afflux de sang quand il baisse sa main de force, sûrement à garder cette position. Elliot souffre-t-il beaucoup ? Me demandent les assistants. Est-ce la fin du règne d'Elliot, un bon chef, conciliant, juste et peu agressif ? Que va impliquer ce maudit câble dans la vie de la communauté ? Le voilà déjà très craintif, filant dès qu'il nous aperçoit, après tous nos efforts pour gagner sa confiance. Le 23 janvier 2017, les partenaires d'Elliot inspectent bien attentivement son pelage, toutes les parties de son corps, sauf son bras et sa main blessée. À 13h15, Elliot mange des fleurs de Piper umbellatum, un poivre sauvage. En République centrafricaine, cette plante est utilisée comme antiseptique ou cicatrisant. À Madagascar et à l'île Maurice, la plante est même appelée grand baume. Est-ce un hasard si notre mâle blessé en consomme, ou bien est-ce une façon de se soigner ? À 14h15, Elliot regarde sa main, inspecte sa plaie, puis cueille des feuilles de Tabernomontana holstii, qu'il applique avec beaucoup de précaution sur ses doigts. À deux reprises, il place les feuilles dans sa bouche, puis tamponne de nouveau sa plaie, les applique doucement sur ses doigts. Là encore, l'application du latex des feuilles de cette espèce de plante sur les blessures, coupures et plaies est décrite dans la médecine kényane. Je suis ébahie. Sabrina, pourquoi tu es si surprise sur cette observation ? Alors oui, effectivement, je suis surprise, ébahie, parce que pour la première fois, ces plantes qui ne sont pas connues par l'ensemble des assistants de mon équipe et par moi-même ont été appliquées sur une plaie par Elliot, et ça s'apparente à ce que j'étudie depuis une vingtaine d'années, l'automédication. En fait, les chimpanzés sont nos plus proches parents, ils sont plus proches de nous qu'ils ne le sont des gorilles, et on suppose que les maladies qu'ont les chimpanzés et les nôtres sont aussi extrêmement proches. Nous partageons des agents pathogènes, des virus, des bactéries, des champignons. Et si on étudie ce que les chimpanzés utilisent quand ils sont malades, peut-être qu'on peut
trouver des nouveaux médicaments pour la médecine humaine. En fait, Makoku, Elliott ou encore Kilimi m'ont fait découvrir des nouvelles molécules qui étaient jusqu'alors inconnues, des molécules à activité antipaludique, des molécules à activité anticancéreuse, vermifuge, et tout ça en fait peut inspirer les chimistes. Et ici au muséum, on a des équipes de chimistes qui peuvent reproduire ces molécules. Il n'est pas question d'aller couper la forêt tropicale pour pouvoir s'emparer de ces molécules et de ces plantes, mais bien de s'inspirer de la nature, de s'inspirer du comportement des chimpanzés, de s'inspirer de ce que les plantes nous offrent. Comme l'a décrit François tout à l'heure, les chimpanzés ont des cultures parce que dans le groupe de ces bitolis, les chimpanzés utilisent des plantes que leurs voisins n'utilisent pas. Comme tu l'as décrit tout à l'heure, pour les ours, les animaux, de façon générale, la nature peut nous inspirer. Bien sûr, il ne s'agit pas de se prendre pour un chimpanzé ou de se prendre pour un ours. Il faut garder cette distance. Ce que Cyril... Cyril, chimpanzé ou gorille, m'a fait là, c'est quelque chose qu'on s'interdit complètement. On garde 10 mètres, 15 mètres de distance, on les observe, on les étudie, on essaye de ne pas interférer et d'apprendre d'eux, comme ce que François a décrit avec Elliott le cachalot, qui n'est pas le même qu'Elliott le chimpanzé. On a découvert par hasard qu'on avait nommé nos mâles de la même façon. Là aussi, en fait, il s'agit de mieux les connaître pour mieux les protéger. Alors, on va voir maintenant. Michel, je peux venir près de toi ? C'est complètement fini, en fait. Le micro, c'était une banane. Non, c'est juste mon micro. C'est magnifique, non ? Et tu veux continuer ou tu me le laisses comme ça ? Et toi, tu veux aller sous forme d'ébauche ? C'est quand même une très belle ébauche, hein ? Comme moi, je suis. Vous entendez ce qu'il dit ? Oh, c'est bon. Ah oui, dès qu'on raconte des bêtises, les gens entendent bien. C'est bien. Voilà. Bon, je vais me lever. Voilà. Eh bien, tu vas nous laisser. Je vais vous laisser. Provisoirement, hein, je vous rassure, il nous laisse provisoirement. Et je n'ai pas besoin de micro. Et moi, je vais appeler par contre ton fils, Guillaume Bassompierre. Il n'est pas là. Hein. Ah, il est là. Est-ce que tu vas attendre que ton père soit parti pour venir ou... Non, tu peux venir. Il n'est pas puni, bien. Donc, Guillaume, je vais te chercher un micro. Non, non, je vais lui en donner un. Tu sais, Covid oblige. Covid oblige. Je partage, si tu veux. Alors, je vais te donner un micro et je vais demander à Sabrina de nous rejoindre pour parler un petit peu de... Alors, il faut que je te l'allume. Tu vois. En appui fort, là, j'ai eu du mal. Hein. T'es plus doué que moi. Ok. Bonjour Guillaume. Oh, bonjour merci Sabrina. De nous rejoindre. Moi j'aurais voulu savoir comment on passe d'un magnifique gorille en argile qui fait quoi, 25 cm, aux œuvres monumentales, fabuleuses que vous avez tous vues dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes intermédiaires? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans l'atelier de ton père? Alors, on a ramené des images, donc peut-être qu'on peut les envoyer. Voilà. Donc, une fois qu'il a fait sa sculpture en argile, il va faire un moule en plâtre par-dessus, en plâtre et en élastomère. Et dans ce moule en plâtre et en élastomère, une fois qu'il a retiré la sculpture en argile, on recoule du plâtre. Et c'est sur ce... gorille, là en l'occurrence en plâtre, qui va pouvoir venir faire les détails, toutes les finitions et surtout avoir des belles rondeurs, des belles courbes, ce qui fait un peu sa particularité. Voilà, il ponce, il adore faire de la poussière de plâtre comme ça. Et puis après, ce modèle en plâtre qui est bien terminé, on l'envoie à la fonderie ou alors on fait une image en 3D, un scan, un fichier 3D. Et c'est ce fichier 3D qu'on va envoyer dans une entreprise. Alors là, on est plutôt à la fonderie. Une fois que le modèle il est réalisé, agrandi, on peut en faire un grand bronze, comme ça.
Là, ça sort tout juste du moule, donc il y a beaucoup de morceaux à enlever. On fait d'abord un bon petit coup de karcher, et puis après, il y a beaucoup de meuleuses, de ponçages à faire. Et une dernière étape qui est la patine, pour donner une jolie couleur. Vous pourrez voir les quelques pièces qui sont présentées en dessous tout à l'heure. Là. Voilà, et ça, sinon, c'est un modèle qui est fait en mousse de polyuréthane. Donc, c'est un agrandissement qu'on a fait avec une machine, un bras robotisé, à partir du fichier 3D. Donc, c'est le petit ours qui est présenté en dessous, là, qui a été numérisé et qu'on a fait agrandir. Et voilà, une fois qu'on applique la patine, voilà ce que ça donne. Combien de temps entre ça et ce qu'on voit ici ou dans le jardin ? Alors, pour que mon père fasse entièrement sa sculpture entre l'argile et le plâtre qui est prêt à être envoyé à la fonderie, il faut à peu près un mois entier. Et après, chez les gens qui travaillent pour nous, à la fonderie, il faut à nouveau à peu près un mois pour sortir une sculpture, entre un mois et deux mois même, pour sortir une sculpture en bronze. Et pour les agrandissements en résine, entre deux et quatre mois. Voilà. C'est un vrai travail, d'entreprise, non ? Donc toute la famille derrière Michel, et puis combien de personnes autour Alors à l'atelier, on est cinq à travailler autour de lui. Et puis après, il y a des dizaines de fondeurs, de tailleurs, d'agrandisseurs. Voilà. Et est-ce que ça fait sens, au final, que Michel se retrouve ici ? Je crois avoir lu que ça fait quelques années qu'il fréquente le Jardin des Plantes et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Eh bien, oui, tout à fait. Quand il était déjà tout jeune, mais je sais pas, c'est moi qui raconte ça. C'est moi qui raconte ça, d'accord. On vient tout juste de répéter, donc je ne sais plus. Quand il était tout jeune, quand il avait 5-6 ans, il venait déjà au muséum avec son papa et un de ses frères, puisque mon grand-père, notre grand-père, était scientifique, hydrogéologue, et il avait un très bon ami qui était paléontologue, lui, ici, qui étudiait les dents de souris, mais juste pour pouvoir déterminer les couches géologiques, je pense, plus que l'intérêt de la dent de souris. Et donc, dès ses 5-6 ans, il avait le droit de venir... l'abbé l'avocat, le paléontologue, mettait sa blouse par terre pour que les enfants ne sortent pas de la blouse et n'aillent surtout pas toucher les collections de dents. Voilà, et donc mon grand-père et cet abbé discutaient ensemble de science. Et puis après, il est revenu en tant que jeune étudiant à la ménagerie, voir les zoos, faire des croquis, des dessins. Il a réexposé aussi au début des années 2000 un de ses gorilles, et maintenant, c'est les grandes œuvres qui sont présentées. Oui, ce travail, Michel, est magnifique pour nous, en fait, scientifiques. C'est vraiment important d'avoir des images qui nous sont ramenées de l'autre bout du monde, mais aussi d'avoir ces œuvres au muséum pour montrer à quel point la nature, les animaux sont extraordinaires, nous appeler surtout à utiliser, entre guillemets, hein, ces espèces emblématiques que sont les ours, les gorilles, pour protéger les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Il reste seulement 26 000 ours polaires, quelques centaines de milliers de gorilles, de chimpanzés. Et en les protégeant, eux, ce sont des centaines, des milliers d'autres espèces animales et végétales qu'on protège. C'est ce qu'on appelle des espèces parapluies. Et donc, pour nous, c'est formidable d'avoir ça comme moyen d'appeler à les protéger. Mais, comme je l'ai dit, on protège ainsi les écosystèmes terrestres, les forêts et les animaux qui vivent au sol. Moi, j'ai une question, Michel. Est-ce que, pour nous aider à protéger les océans et puis les animaux qui vivent dans les arbres, comme les chimpanzés, tu serais prêt à nous aider et à mettre ton immense talent à leur service, à notre service ? Peut-être à faire un petit croquis de chimpanzé, ou parce que dans ton bestiaire, il y a quoi ? Il y a des chevaux, des ours. Je crois qu'il a dit oui, hein ? Non ? Il a dit oui pour toi ? Est-ce que tu approuves ? Vous avez tous compris, c'est le principal. Je vais essayer d'apprendre à dessiner pendant quelques minutes. Formidable, merci. Je te reprends le micro.
Alors on emmène en coulisses le gorille, mais on le reverra plus tard. Et on a hâte de voir les croquis. Dommage, on le regardera tout à l'heure. Pourquoi se priver de vie sauvage ? Est-ce un progrès ? Est-ce un progrès d'avoir des égouts en guise de rivière ? Est-ce un mieux d'avoir une mer dépeuplée ? Est-ce une richesse d'avoir un parking à la place d'une forêt ? Ne peut-on faire mieux ? C'est si simple de préserver la vie. Il suffit d'arrêter de l'agresser. Et que personne n'avance l'argument de la nécessaire croissance de la production alimentaire pour nourrir l'humanité. En tous les cas, pas dans le système économique actuel qui n'est pas fait pour satisfaire les besoins de tous, mais uniquement la demande solvable. En effet, dans notre système, on pourrait bien produire 10 fois plus de nourriture en détruisant forêts et océans que cette surproduction ne servirait en rien à les affamer, ceux qui en ont besoin. À quoi servent les cachalots ? Est-il vraiment nécessaire de savoir à quoi servent les créatures vivantes pour s'en préoccuper ? Se pose-t-on la question pour les œuvres d'art ? Je ne verrai jamais probablement les peintures rupestres de Lascaux ni celles de la grotte Chauvet. Pourtant, je suis profondément heureux que ces chefs-d'œuvre soient préservés. Ils font la richesse de l'humanité. Diversité des espèces et diversité culturelle sont la richesse de la planète. C'est parce qu'elles ne servent à rien qu'il est indispensable de permettre aux créatures les plus abracadabrantes d'exister. Si nous utilisons le filtre de l'utilité, de la rentabilité pour juger ce qui doit être conservé ou pas, qui garderons-nous ? Où placer le curseur ? D'autant que les normes varient avec le temps, l'espace, les traditions, les philosophies. Moi-même, suis-je utile ? Serais-je conservé ? En revanche, si nous savons faire une place au cachalot, à la baleine bleue, au grand requin blanc, au gorille, à l'éléphant, à tous les encombrants, aux insignifiants, à tous ceux qui ne servent à rien, à tous ceux que nous ne croiserons jamais, à tous ceux dont nous ignorons jusqu'à l'existence. Alors, nous serons aussi respectés chacun d'entre nous, riches de ces différences. Eliot le cachalot vient à la rencontre de l'altérité sans contrepartie. Il établit une relation qui ne lui sert à rien. La relation ne lui sert à rien dans son monde sauvage. Mais elle nous est indispensable à nous les hommes. Car justement cette relation est une offrande, librement consentie, sans calcul, sans rentabilité. Elle est sereine et paisible. Et cette paix est contagieuse. Un lion. Ah, à
de feu. À cheval. Un panda. Une girafe. Un gorille, il est énorme. Un ours polaire. Un chimpanzé. Ça fait là. Et un dauphin. Ah, il est énorme pour un dauphin. Ah oui, il est aussi gros que le cachalot. Oui. Ouais. Et il fait quoi comme bruit? Le paysan qui tue l'ours dans les Pyrénées, ou le lion en Éthiopie creuse lui-même sa tombe. Le prochain, ce sera lui. Les grands seigneurs du XVIe siècle et XVIIe siècle ont armé les paysans avec la bénédiction de l'Église pour éradiquer les grands prédateurs afin de mieux exploiter les terres. Deux siècles plus tard, il n'y a plus de bêtes féroces, mais plus de paysans non plus. Si les habitants de ces zones encore peuplées d'ours, de loups, de tigres valorisaient la biodiversité de leur territoire, ils en garderaient le contrôle sur les bases d'une nouvelle alliance. Il faut relire l'histoire et se pencher sur les cartes d'état-major. L'histoire doit être une arme de construction massive et la géographie ne doit pas servir, pour une fois, à la guerre, mais à réconcilier les nomades et la culture pour que le citadin regarde le paysan dans les yeux. Fier, l'un et l'autre de s'être compris. La cohabitation avec l'ours ne se résume-t-elle pas à l'acceptation de l'autre ? Une simple question de partage avec une espèce différente. Bla 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 bla. Pour être converti en zones agricoles, où est l'avenir des chimpanzés? D'ici à quelques années, la prédiction des différentes agences se réalisera-t-elle? Vivrons-nous sur une planète sans grands singes, à l'exact opposé de ce que Pierre Boulle avait imaginé avec sa planète des singes? Survivront-ils uniquement dans des zones refuges où l'humain ne pourra pas accéder? Pour les chimpanzés, un des derniers refuges sur notre planète pourrait bien être la chaîne des montagnes mythiques du Rwenzori, qui porte également un nom qui à lui seul transporte la tête dans les nuages, les monts de la Lune. On se sent vivant au Rwenzori, et plus encore quand résonnent de l'autre côté de la vallée encaissée les ululements, haletants des chimpanzés, qui quelques heures avant ont laissé des chics de tiges de bambou, des empreintes profondes et des crottes énormes et bien moulées, laissant présager une sacrée corpulence. Et ils sont encore tellement présents dans la culture et les traditions des Bakonzo. Certains clans de cette société ont des animaux totems qu'ils respectent et protègent. Ils considèrent les chimpanzés comme des frères. Et ici, sur ces pentes abruptes, dans les montagnes des Bazonko, dans cette végétation dense et irréelle, je tente de me convaincre que personne ne pourra jamais traquer et exterminer les gardiens de ces montagnes, les chimpanzés. Sauf si les humains, pris d'une folie incommensurable, se décidaient à détruire cette merveille de la nature
pour du pétrole, par exemple. De l'autre côté de la frontière, dans la continuité du parc du Rwenzori, se trouve le parc national des Virunga, le premier parc national africain, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors que nous nous émerveillons devant cet époustouflant spectacle de glaciers, de forêts, de rivières, il est question de déclasser le parc auprès de l'UNESCO pour pouvoir exploiter du pétrole. Dans les Virunga vivent des chimpanzés, mais également les derniers gorilles de montagne. Les chimpanzés pourront-ils être vraiment tranquilles dans les monts de la Lune ? Je me plais à penser qu'ils survivront aux glaciers si les humains leur laissent un peu de répit. Eh bien, après tous ces échanges, toutes ces alertes sur le monde sauvage, on va peut-être trouver des solutions. Et pour ça, vous allez pouvoir poser des questions à Rémi Marion, à Sabrina Krief et à François Sarano, qui vont nous rejoindre ici autour de toi, Cyril. Donc, si vous avez des questions... Merci, merci. Donc, à vous maintenant de nous poser vos questions, peut-être autour des solutions hein, pour éviter ces menaces dont on a parlé, pour essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Est-ce que vous avez des questions? Les enfants, les adultes, les grands, les petits? Là-haut. Là-haut. Alors, qui peut lui porter? Voilà. Il y a un micro qui va arriver. Oui, bonjour. J'avais une question parce qu'on parle souvent de l'écotourisme pour les gorilles qui a réussi à apporter beaucoup de sauvegarde et de sous pour leur protection. Est-ce que c'est envisageable pour les ours ou pas ? Alors on va regarder peut-être quelle espèce d'ours, hein. Il y a 8 espèces d'ours dans le monde, donc avec des niveaux de population très très différents. Moi je pratique le tourisme d'observation depuis 35 ans maintenant, hein, cette année d'ailleurs, 35 ans, donc aussi bien sur les ours polaires que sur les ours bruns. Et on sait en particulier que ça peut protéger certaines zones, et on l'a vu d'ailleurs avec les gorilles, mais Sabrina nous en parlera, mais des zones comme le Kamchatka, par exemple, au sud du Kamchatka, il y a un parc national où j'ai eu la chance d'aller nombreuses fois, et bien cette zone est très très préservée, alors que là-bas, la tradition, c'est plutôt l'abattage des ours bruns. Et comme là, on a une zone très préservée qui amène du tourisme, et bien on peut se permettre de garder ces grandes zones, d'avoir des gardes aussi à l'année, parce que s'il n'y a pas de garde, eh bien, il y a du braconnage. Et donc, le tourisme apporte des devises, évidemment, et permet d'avoir cette population. À savoir que pour ces ours, ce ne sera pas les touristes qui vont poser problème. C'est la consommation du saumon par les excès de consommation, la surpêche et tout ça. Alors que le tourisme, au contraire, va permettre justement de protéger, d'apporter des devises, d'avoir des gardes, d'avoir des structures qui vont permettre de préserver les ours. Donc, dans certaines zones, on le sait, eh bien, l'écotourisme peut permettre justement de protéger. On a essayé de le faire, en particulier, c'est une vieille histoire, moi j'avais essayé de monter des voyages en Biélorussie, hein, on entend beaucoup parler de Biélorussie tout de suite, pour des questions démocratiques. Eh bien, à l'époque, c'était très compliqué, on voulait monter de l'écotourisme pour préserver une forêt où il y avait beaucoup de chasseurs qui venaient d'Allemagne en particulier, qui payaient très très cher pour abattre des ours, des loups, des lynx. Et nous, on voulait développer l'écotourisme dans ces régions-là pour contrecarrer justement cet apport de devises. Ça a été extrêmement compliqué, on l'a fait pendant quelques années, mais en Biélorussie, évidemment, tout ce qui va dans le bon sens, eh bien, ça fonctionne pas bien. Mais Sabrina, tu as l'exemple des gorilles. L'idée, aussi. C'est vraiment de faire valoir que les animaux vivants ont plus de valeur que morts. Et c'est beaucoup plus durable, évidemment, de conserver.
préserver des ours, qui peuvent, en plus des animaux qui peuvent perdurer avec des populations intenses, enfin grandes. On le voit bien d'ailleurs dans les Pyrénées. Si on prenait l'idée, là, cette année, on va passer peut-être 65-70 ours dans les Pyrénées, ce qui est extraordinaire. C'est les 25, en fait les 25 ans de la réintroduction des ours. Et c'est extraordinaire. Mais si on faisait comme en Italie, valoriser l'ours, comme on pourrait le faire dans d'autres régions, comme nous, on va aller voir en Finlande, eh bien, il y aurait beaucoup de travail, il y aurait beaucoup d'activités en privilégiant donc l'observation de ces animaux. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. On n'apprend pas à aimer dans les livres. On n'apprend pas à rencontrer dans les livres. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller à la rencontre de la vie sauvage avec des maîtres S-respect qui vous apprennent à trouver la distance juste avec les animaux et avec l'autre. Au contraire, ce devrait être obligatoire. Les écoles de tourisme de nature, obligatoire pour que chacun puisse goûter les merveilles de cette nature et ne plus rester indifférent. Parce que ce qui tue la vie sauvage, c'est notre indifférence. Et je le vois, moi, avec les requins, avec tout ce qui se passe sous la surface, les gens ne savent pas. Alors, on s'en fiche. On les laisse disparaître parce qu'on ne les connaît pas. Et connaître, encore une fois, ça ne s'apprend pas dans les livres. Connaître, c'est vivre avec un moment, les yeux dans les yeux. Voilà pourquoi l'écotourisme est quelque chose qui est sain, si il n'est pas seulement mercantile. Et pour ça, c'est assez facile. Il suffit de demander à ceux qui entraînent chacun vers la vie sauvage à enseigner d'abord, non pas la biologie, mais le respect. Voilà. Et ça changera tout, et ça sera même des écoles de vie en société, parce qu'au moins, on apprendra à rencontrer l'autre. Alors, il faut évidemment que les touristes soient bien éduqués, mais il faut aussi que les gens qui vivent autour n'aient pas plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Bien. Et donc, dans ce sens-là, ce que disait Rémi avec le fait que ça apporte des hôpitaux, des routes, des écoles pour les populations locales, c'est indispensable. C'est aussi indispensable de gérer les conflits entre les ours et les éleveurs ou entre les chimpanzés, les gorilles et les gens qui plantent le maïs autour. Et ça aussi, ça fait partie du travail de conservation. Peut-être que vous avez maintenant des questions qu'on vous laisse un peu la parole, là, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il fait chaud. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que les enfants ont des questions? Les enfants, ils ont toujours des questions, normalement. Il faut y aller, les enfants. Même les petits. C'est quoi la question? Vas-y. Question très difficile. Combien il y a d'animaux dans le monde? Ah oui, ça, c'est une question difficile, effectivement. Et on ne va pas y répondre, ça, c'est certain. Non, par contre, on sait qu'aujourd'hui, il y a environ 1 million d'espèces qui sont menacées de disparaître. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'animaux de sortes différentes. Et ça fait beaucoup, beaucoup de travail, non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour tous les autres, tous les citoyens que nous sommes. Et peut-être que vous vous demandez si vous pouvez faire des choses ici pour les protéger là-bas. Bah, moi, je vais vous donner une petite piste pour tous les enfants qui, le matin, sur leur table, au petit déjeuner, se demandent comment ils pourraient faire pour aider les chimpanzés, les gorilles et les autres animaux. Bah, déjà, par exemple, vous pouvez dire à vos parents qui boivent du thé et du café que ce thé, ce café, il vient des zones tropicales, là où on trouve les fameux chimpanzés et les gorilles. Et qu'en le produisant de façon durable, équitable, en commerce équitable, en bio... on va pouvoir les aider. Pourquoi? Bah parce que ces chimpanzés, ces gorilles, ils ne vivent qu'en forêt tropicale et pour pouvoir les protéger, il faut pouvoir protéger les forêts. Or aujourd'hui, ce qui menace les forêts, c'est l'agriculture intensive. On coupe les forêts pour planter du thé, du café, du cacao, et là ça vous concerne plus les enfants, du sucre de canne, des cannes à sucre. Et donc, bah, nous ici, on peut aider là-bas à protéger les gorilles en choisissant bien les produits qu'on va manger. Et aussi, le commerce équitable, ça permet, comme tu le disais tout à l'heure, que les populations locales puissent avoir des meilleurs revenus. Et ça évite qu'ils aillent braconner, qu'ils aillent poser des pièges, ces pièges qui coupent les mains d'Eliott ou qui peuvent aussi abîmer les espèces des océans. Donc voilà une petite piste. Est-ce qu'on a d'autres solutions, puisque notre présence là, c'était de pouvoir offrir un peu d'espoir et qu'on ressorte le cœur heureux avec plein d'idées? C'est facile. D'abord, à ta question, c'est innombrable, parce que chaque être vivant a sa particularité,
sa singularité, sa personnalité. Tu crois que chaque mésange peut être, sont les mêmes? Non. Chaque oiseau, chaque fourmi est particulière et singulière. Donc c'est innombrable. On ne remplace pas Elliot le cachalot par Arthur l'autre cachalot. Il n'y a rien de plus différent d'un cachalot qu'un autre cachalot, comme nous les humains. Et si on veut changer les choses, il faut qu'on prête attention à cette singularité, à chacun. Et pour ça, c'est simple. Chaque matin, au lieu de prendre ton déjeuner comme ça, on se lève, on ouvre la fenêtre et on dit bonjour. Oui, bonjour. Un vrai bonjour qui sait ce qu'il dit. Belle journée. Et on fait attention à la goutte d'eau sur une feuille. Et on est riche de cette goutte d'eau. On fait attention au chant de la fauvette. Et on est riche de ce chant de la fauvette. Et on peut l'offrir d'ailleurs. On peut l'offrir à son épouse, à ses enfants, à ceux qu'on aime. Et si on prête attention à tout ce qui est autour de nous, non seulement, encore une fois, on est riche de tout ça, mais tout d'un coup, on sait pour qui et pourquoi on va changer les choses. Parce que sinon, si je ne sais pas pour qui je le fais, ben pour vous, pour ma petite fille, pourquoi je le fais, pour ces oiseaux que j'entends, alors je ne me lance pas dans un changement de consommation radical que nous devons entreprendre. Moins consommer, c'est sûr, c'est pas simplement changer, c'est moins. Voilà. Pour rebondir, peut-être une dernière solution, parce que souvent, moi, avec l'ours polaire, on me dit le réchauffement climatique, ça revient sans arrêt. Et actuellement, je travaille sur une campagne de sensibilisation pour bêtement laver moins chaud dans les machines à laver. 40 degrés, on n'en a pas besoin. Si vous lavez à 30 degrés, eh bien, si toutes les machines à laver passent de 40 à 30 degrés, on économise les gaz à effet de serre de 26 000 voitures par an, rien qu'en changeant sa température de lavage, qui ne sert à rien en fait de laver à 40 degrés, parce que maintenant on a des machines et des systèmes qui suffisent largement. Donc vous voyez, tous les jours, on change ses habitudes, on commence par dire bonjour, comme le dit François, et puis après on étudie un petit peu nos gestes, notre vie quotidienne, qui nous semble évidemment dans la routine habituelle de la journée et des semaines, et bien on réfléchit à ce qu'on fait. Et ça c'est très important de se dire, est-ce que j'en ai besoin? Comment je le fais? Et ça c'est bien aussi de commencer à se poser ces questions. Alors évidemment, c'est pas en culpabilisant, mais c'est simplement en se disant, bon, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment très très utile de faire comme ci ou de faire comme ça? Et là, peut-être, on va prendre conscience aussi des uns et des autres, mais aussi notre mode de vie va devenir beaucoup plus riche, parce qu'on va pas faire ça par routine, mais on va se dire pourquoi. Et ça, c'est vraiment important. Super, peut-être que Michel peut nous c'est raconter bon, ce qu'il a fait, on le voit plus là, mais vous l'avez vu. Est-ce qu'on peut voir peut-être les images voilà. Vas-y, Non, j'aurais peu de choses à dire. Je vais être beaucoup plus égoïste. J'avais transformé mon cerveau en arche de Noé. Le problème, c'est que le jour où je mourrais, ben, l'arche de Noé avait coulé. Donc, je porterai avec moi tout ce que j'ai enregistré. Donc, essayez d'enregistrer vous aussi et protéger. De l'amour, comme dirait François. De l'amour de la vie et puis de l'émerveillement, surtout de l'émerveillement. C'est tout ce que je veux dire. Combien de temps d'attention face aux gorilles pour réaliser des merveilles comme celle-là? Il ne faut pas oublier une chose. Comment comprendre? Ouais. C'est qu'on croit observer le gorille, on ne fait que le voir. Lui, il nous tourne le dos, mais il nous voit très bien. C'est-à-dire qu'il entend le moindre déplacement, il sait ce qu'on fait. Nous, on ne sait rien du tout. Nous sommes des nains. Nous sommes des nains par rapport à la nature, mais des nains gourmands. Je dirais que la cupidité de l'humain et puis l'inconscience, son infantilisme ont fait qu'on est en train de bouffer la planète, quoi, c'est sûr. Voilà. Mais observez et émerveillez-vous. C'est la meilleure façon de protéger ce qui vous entoure et puis de faire perdurer ce qui ne nous appartient pas. Le regard des enfants, finalement, il faut quand même le garder, non? Mais oui, comme je dis, moi je suis un vieil enfant qui continue à se faire ses jouets. Parce que j'ai gardé mes mémoires d'enfant, de tout ce que j'ai pu admirer. Et c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit être un vieux. On peut être un enfant tout en étant vieux. Un grand merci, Michel, de nous avoir permis de nous rassembler autour de toi.
Et si vous voulez, retrouver ce que j'ai lu, et donc les livres de Rémi Marion, de Sabrina Krief et de François Ferrado, Les Cachalots, Sabrina Krief, Charbonnier, Le Fleur de la Forêt, voilà, n'hésitez pas, ils sont tous dans les meilleures librairies, et vraiment c'est formidable, l'ours. Oui, demain. Merci. Voilà. Et le retour de Moby Dick, François, mais je les récupère, hein. Ce sont les miens. Et cette magnifique monographie de Michel. Voilà. Merci pour ces livres. Et un grand merci à la compagnie du Singe Debout, à Jade Duviquet. Cyril Casmez, le comédien, zoomorphe, chimpanzé, gorille, ours, et plein d'autres tours dans son sac. C'est aussi des heures d'observation, comme Michel, pour réaliser cette performance. Assisté de David Mornay. Oui, David. Là-haut, quelque part. Avec la musique et le bruitage de Jean-François Hoël. Là-haut, caché dans l'ombre, mais qui fait la lumière, c'est Vincent Tudos. Et pour le muséum à la régie, encore plus caché là-bas, c'est Léo Dupuis. À la vidéo qui va nous offrir une superbe captation et qui va nous permettre de pouvoir le revoir en extensif, c'est Fred Dubos et Gwenolé Livinet. Et tout ça n'a été possible que grâce à Annelise Delacote qui se cache quelque part et que je ne vois pas là-haut. Avec toute son équipe, Jeanne-Marie, Charlotte, Justine, Zoé. Et bien sûr, je pense que Rémi et François se joignent à moi parce que nous ne serions pas là, réunis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de conférence. Ça faisait des mois que cet amphithéâtre n'avait pas été rouvert au public. C'est la première fois. On n'avait pas l'autorisation avant le 9 juin et on a eu une autorisation exceptionnelle pour vous accueillir avec une jauge un peu restreinte, mais avec grand plaisir. Et celui qui nous a permis ça, c'est Michel, Michel Bassompierre. Et avec la famille de l'ours, donc Guillaume que vous avez vu et Karen qui sont aussi parfois un peu dans l'ombre, qui soutiennent et épaulent l'artiste avec grand talent. Voilà, merci à vous. Il ne faut pas oublier, Jade aussi, il ne faut pas oublier Jade, qui est la chef d'orchestre de tout ça. On l'a cité en premier. Non, mais, et Sabrina qui nous a réunis quand même. Voilà, donc maintenant on vous laisse rentrer si vous le voulez, prendre l'air, aller voir les sculptures dans le jardin, voir celles qui sont ici avant de partir, voir... le gorille en argile, et puis si vous avez d'autres questions plus secrètes, plus intimes, vous pouvez aussi venir nous voir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. C'était bon de retrouver un public.